Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on est à la chasse, on est au petit gibier, on va chasser principalement le lapin aujourd'hui, donc là je vais rejoindre mes collègues de chasse. Donc là c'est lapin au chien courant, teckel principalement, teckel, beagle, fauve, on va voir ce que ça peut donner, on va essayer de lever quelques lapins et pourquoi pas en tirer. Allez c'est parti. Ça a peut-être bien marché dessus, hein, à moins qu'il y ait un trou. Bien écrasé. Urgent. Urgent. Molki est sûr. Uranus. Tiens, il est là. Il l'a chopé là, non? Il l'a pas chopé là? Molki est dessus. Uranus. Là. Ouais, là, c'est haut. Appel. Ouais. Je reste en haut, moi, autour du tas pour les empêcher de se serrer. Ça marche. Hop. Magnifique. C'est un lièvre.
Il est là. Un beau lapin. Oh, je le tire quasiment à l'aveugle. Oh la vache. Je le vois partir. Il part en plein bois, il était au soleil, là, dans les ronces. Ah bah, il est parti, je l'entends partir, malgré le vent. Et je tire, ouais, bah, pas très loin, à 10 mètres, quoi, mais... Je le tire quasiment à l'aveugle, quoi, dans les fougères, juste ici. Un beau petit lapin. Et ouais, je le tire quasiment, vraiment à l'aveugle, quoi, quasiment, parce qu'il passe derrière cet arbre-là. Et derrière, je le tire en imaginant sa trajectoire, quoi. Parce qu'avec les petites fougères, les petites herbes d'été, là, je le voyais presque plus. Je fais un beau tir. Un beau petit lapin. Petit lapin de Garenne, voilà. Un mâle, je pense, il a une grosse tête. Hop. Fait plaisir. Le troisième, mon troisième de la saison. Super. Malheureusement, nous ne lèverons pas plus de lapins que ça de la matinée. Du coup, l'après-midi, ce que je fais, c'est que je décide d'aller faire un petit tour de mon côté et je terminerai le soir par une passée au canard. Hop, je suis magnifique. Magnifique. J'espère que vous le verrez à la caméra. Évidemment, on n'est pas à chasse aux chevreuils aujourd'hui. Je le vois qui part dans le pré là-bas. Belle chevrette. Donc malheureusement sur cette première partie j'ai levé aucun canard, pas un de vue, pas un qui vole. Donc c'est pas grave, il n'y en a pas ici, on va aller voir plus loin. Il y aura vraiment trois parties hein, dans le ruisseau. Et je vais me poster à la fin sur la troisième, voir si pour la passée du soir, si je peux en voir quelques-uns. Là on est sur la zone d'affût de ce soir, donc zone on va attendre les canards à la passer. Donc j'ai disposé mes quelques formes, bon, j'en ai avec 3, donc j'ai mis les 3 là-bas. L'objectif donc voilà, ça va être d'attendre les canards ici, en espérant qu'ils passent bien sûr. Donc même si on en voit passer au loin, je vais essayer de les appeler pour les faire venir. En arrivant, j'ai vu qu'il y avait une vingtaine de canards dessus, qui sont tous partis quand je suis arrivé évidemment. Mais bon, c'est le jeu, j'ai pas pu filmer la scène malheureusement.
puisque la GoPro était pas en route et puis de toute façon j'étais trop loin. Donc en espérant que cela revienne, donc il y a un petit moment avant le coucher de soleil, donc je garde espoir. Bon, là il est 18h, le soleil est couché, donc là la nuit commence vraiment à tomber. Logiquement, s'il y a du mouvement, ça devrait commencer maintenant. Ouais. Ça y est, j'ai entendu les canards voler. Ouais, il y en a au-dessus. Ouais, les voilà. Je les vois toujours pas, par contre, il y a une canne qui fait que d'appeler. Super beau le vert. Oh, je sais pas s'il y a assez dans la vidéo. Je suis pas sûr. Je vais recharger, les autres sont au-dessus. Oh oui, oui, oui. Magnifique, magnifique. Oui, il tombe. Superbe, magnifique. Ça, c'est le premier. Premier canard du doute. Qui est venu tout seul, du coup, un magnifique col vert. Et là, on va aller chercher le deuxième, il est là. Hop. Superbe action. Magnifique. Superbe scène encore. Quatre canards qui arrivent tout seuls là, d'un coup je les appelle, ils viennent directement. Magnifique, superbe. Bon, ça va être le moment de repartir. Ah, il va bientôt être l'heure. Je vous présente encore une fois ces magnifiques canards. Ah, le premier, le col vert, qui fait une superbe action là. Il est venu comme une balle. Il m'a surpris complètement. Il est arrivé derrière, je l'ai entendu voler. Et je l'appelle, je vois pas, mais genre juste entendant le canard voler. Et puis plus rien, et puis d'un coup il me surprend, il passe dans mon dos et puis pff, il plonge sur les formes. Superbe action, vraiment, magnifique. Et la deuxième canne du coup, donc hop, la canne, donc ça c'était un banc de 4 canards. Un groupe de 4 du coup qui sont nus. Je les ai entendus arriver, pareil j'appelle, et ils plongent vraiment pour se poser. Finalement ils prennent à droite, je me dis faut que je tire à ce moment là. Et puis j'ai réussi à toucher cette superbe canne là. Magnifique, des beaux canards. Donc voilà, on se quitte sur ce magnifique doublé. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à laisser un pouce bleu, à commenter, à partager. Allez, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!